Hello, good morning. How are you, Noé? Et pourquoi tu me parles comme ça, bizarrement, là? Je comprends rien de ce que tu dis. Oh, t'as pas révisé pour l'évaluation d'anglais, apparemment, toi. Oh, l'évaluation, non! Hello, good morning, everybody. J'espère que vous avez révisé hier soir votre vocabulaire d'anglais parce qu'aujourd'hui, on va faire une évaluation d'anglais vraiment rigolote. Alors, vous avez révisé, hein? Oh là là, t'as révisé, toi, Mara? Yes. Prends, et tu connais tout par cœur, vraiment, t'es sûre? Yes. Tout le vocabulaire, par cœur, le vocabulaire, tu... Yes. Et tu t'es dit autre chose que yes ou pas? Yes. Oh là 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 là. Et ta sœur et la mienne, elles ont super bien révisé, elles connaissent tout par cœur. Oh là là, des peurs. Yes. Bien, alors les filles, pour comptabiliser vos points, eh bien nous allons faire un petit tableau avec vos prénoms, d'accord? Alors, on va mettre Noé, hop, ensuite Noah, N-O-A, ensuite Mara, M-A-R-A, et Sarah, hop, S-A-R-A. Oups, là, ça passe plus, tant pis. Hop, donc je fais le tableau. Ça va pouvoir, ça va m'être utile pour compter vos points et voir où vous en êtes par rapport au niveau d'anglais que vous avez. Hop, ensuite, en dessous, je vais écrire le mot en anglais. D'accord? Alors, il faut expliquer aux copains qu'en fait, on a beaucoup appris avec les filles en anglais, mais seulement à l'oral. D'accord? Juste en parlant, pas en écrivant. Donc là, ça va leur permettre de voir comment ça s'écrit aussi. Et du coup, le tableau, moi, ça me permettra de voir où elles en sont en vocabulaire d'anglais. Et comme j'aime bien faire les contrôles en s'amusant, voilà ce que j'ai préparé. Regardez ça, les loulous. Alors, regardez. Hop, c'est juste là, voilà. J'ai préparé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 cases dans lesquelles il y a des petites surprises. 9 corners. 9 petites boîtes, donc dans lesquelles il y a des surprises emballé, ok? Mais vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et la règle est très simple, vous allez venir une à une, je vais déballer le papier et vous devrez me dire comment s'appelle la chose qui est à l'intérieur si vous vous souvenez du mot de vocabulaire en anglais. D'accord? Est-ce que c'est compris? Oui, maman. Ok, alors voyons voir, qui veut commencer? Mara? Oh, d'accord, je viens. Très bien, celle-là, je voudrais celle-ci. Très bien, alors je vais l'ouvrir et tu vas devoir me donner le mot de vocabulaire en anglais, tu as bien compris, hein? Oui. Ok, tu as bien révisé? Oh, c'est sûr que je sais. Bon, parfait. Alors, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, je suis sûre que je le sais, je connais tout par cœur, c'est trop fastoche l'anglais. Alors. Voyons voir, Mara, suspense. Oh! Est-ce que tu sais me dire ça en anglais? Alors? Oh là là, si, je l'ai sur le bout de la langue. Comment est-ce qu'on dit chaussure en anglais? Chaussure. Boots? C'est boots, c'est ça? Boots? Non. Non, Mara, tu es presque, tu te rapproches, mais non, c'est pas ça. Est-ce que quelqu'un sait? I know. Oui, Sarah, tu le sais, on dit shoes. Oui, shoes. Très bien, un point pour Sarah alors. Voyons voir, et hop là. Voilà, et au fur et à mesure, je vais pouvoir comptabiliser vos points et voir qui a bien appris. Alors, voici comment s'écrit shoes en anglais. S-H-O-E-S. Shoes, ça veut dire chaussures. Shoes. Ok? Bon, on continue les filles? Oh là là, j'étais sûre que je l'avais sur le bout de la langue. Tu sais, j'ai quand même révisé, hein. Oh non. Non mais, comment c'est possible que ta sœur, elle connaisse tout par cœur comme ça et que toi, tu saches rien? Bah, parce que moi, j'ai pas super bien appris. Enfin, j'ai révisé, oui, mais elle regarde tout. Elle regarde les séries... Elle écoute les chansons et même elle lit les notices en anglais, tu te rends compte? Oh là là, mais on est complètement perdu, on va perdre. Je crois bien. Bon, alors, ensuite, attention, je vais choisir une case. Voici... Attention, les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que quelqu'un sait comment se dit ce mot en anglais? On lève la main. Alors,
Qu'est-ce que c'est que ça? Une brique de lait? Est-ce que quelqu'un sait le dire? Oh, moi. C'est écrit dessus, mais vous ne pouvez pas le voir. Moi, je sais. Milk. Bravo, Noah. On dit milk. Très bien. M-I-L-K. Vous voyez? Juste là. Milk. Hop là. Je n'ai pas besoin de vous l'écrire sur l'ardoise. Hop là. Ok. Et un point pour Noah. Il nous manque Noé et Mara, qui n'ont pas encore de points, les filles. Noah et Sarah ont un point chacune. Noé, tu viens? Oh là là! Allez, oh maman, ça fait trop peur, il y a trop de suspense. Et si je me trompe? Écoute, Noé, faites ton mieux, c'est tout. Oh là 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 là! J'ai peur. Allez, choisis, chérie, ne t'inquiète pas. Celle-ci, là. D'accord, celle-ci. Alors, voyons voir ce qu'il y a dedans. La 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 la! Oh! C'est quoi ça, un chien? Oui, c'est un chien. Est-ce que tu sais dire chien en anglais? Oui, on dit cat. Cat, oui, on dit cat. Cat, non. Oh, c'est pas drôle, c'est une catastrophe. Oh. Non, ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas grave. Est-ce que quelqu'un sait dire chien en anglais? Oui, moi, je sais. I know. Très bien, alors comment est-ce qu'on dit dog? Oui, très bien, dog. Ok, bravo Sarah, un deuxième point pour toi. Oui, dog, I like dogs. Tu aimes les chiens? Très bien, alors hop, et voilà pour toi, c'est gagné. Merci. Un deuxième point pour notre Sarah. Hop. Alors, C'est trop dur, tu savais toi? Non, je savais pas, mais en fait je crois que j'apprends rien, enfin je crois que j'apprends, mais... Oh là là. Oh, allez, à toi Sarah, tu peux choisir une surprise. Très bien, je vais prendre celle-ci. Très bien, celle-ci la verte? Oui, exactement. Oui, la verte, green. I want green. Tu veux la verte, ok, c'est parti. Alors, voyons voir ce qu'il y a. Puis je vais savoir le dire, parce que je parle très bien anglais. Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu. Attention. Est-ce que tu sais dire ce mot, Sarah, en anglais? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une pomme. C'est super facile. Pomme, en anglais, on dit apple. Comment? Apple. Oui, bravo. Oui, apple. Bravo, Sarah. Un troisième point pour toi. Eh bien, dis donc... Je vous l'écris, apple, A-P-P-L-E, apple, pomme en anglais. Et un troisième point pour notre Sarah. Allez, un dernier tour, chacune un mot, voyons voir. Hop, Mara, tu as choisi ce paquet couleur dorée, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, c'est une crotte. Oh, je n'ai aucune idée de comment on dit crotte. Oh non, j'en ai aucune idée. Crotte? Non, pas crotte. Moi, je sais. I know. Pou. Très bien, on dit pou. Bravo, Sarah. Un quatrième point pour toi. Hop, tu as gagné la crotte. Oh, thank you. You're welcome, Sarah. Allez, on dit hop, un quatrième point. Et je vous l'écris pou, P-O-O. Super. Ensuite, Noé, à ton tour, ma chérie. Voyons voir si tu trouves et si tu as un point. Alors, est-ce que tu sais dire ce mot en anglais? Oh, oui, je sais. On dit banana. Oui, très bien, yes, banana. Ensuite, Noé, c'est ton tour. Oh, c'est facile, tout à l'heure on l'a déjà vu. Est-ce que tu sais dire ça? Oui, boots. Très bien, Noé, super. Hop là. Bravo. Bon, alors, ça vous a plu les filles? Oh oui. Très bien, il faudra réviser encore un petit peu. Sarah, bravo, tu es la championne de l'anglais pour le moment. Félicitations les filles. Les copains, n'oubliez pas de mettre hop, un j'aime à cette vidéo. Plein de pouces en l'air. On vous fait de gros bisous, abonnez-vous à la chaîne. Et on vous aime fort. À très vite.